stream interactif. Ah oui, c'est le stream, donc vous êtes le héros. Exactement. Exactement. Vous pouvez choisir quel morceau de vêtement on enlève. Non, j'ai pas envie. Prévu du velcro. On a un concours à faire. Ce qu'on fera, c'est qu'on va le faire sur le hashtag Witcher3GL. Il est relou avec sa pub et ses concours, lui aussi, hein. Putain, ouais. On peut débrancher, décharger la manette, tout va bien. C'est bon, attends. Non, débranchez pas la manette puisqu'on joue sur PC. Oh putain, l'équipe de bras cassés. Il y a beaucoup de réactions, évidemment. Le chat est en folie. Le furieux, complètement fou. Je ne vois pas, c'est à vitesse grand V. Je ne lis que des. Oh, c'est génial, qu'ils sont beaux. On y croit. Oh my god, combien de temps ça dure, tu m'as dit? 4 heures, 4 putains d'heures, les enfoirés. Putain, Jean-Jean vidéo, celle-là tu me la referas pas. Pourquoi avoir choisi des branquignoles pour faire un live sur mon troisième opus? Cette bande de débiles ne savent même pas jouer, ils connaissent à peine l'univers, ils zappent les dialogues pour sortir une vanne toute moisie. De votre cas, ma belle. Tout de suite, messieurs Webedia. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, ma petite pute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est simple. Comme tu peux le voir, dans une taverne, il suffit de mettre une jolie catin en service pour attirer tous les clodos de la région, n'est-ce pas? Eh ben sur les streams, c'est la même, mec. Tu mets 2-3 youtubeurs connus un peu débiles et t'attires tous les kikous. Vache. C'est bien les humains, ça.